7h48, comme vous le savez, c'était référendum hier, du côté de Montmagny, pour le fameux projet de la bibliothèque municipale. Finalement, ben, il s'est fait. Le oui, il l'a gagné. On reçoit en studio le maire de Montmagny, M. Jean-Guy Desrosiers. Bon matin, M. le maire. Bon matin, M. Cloutier. Vous devez avoir l'impression d'avoir une bibliothèque de moi sur les épaules. Oui, disons que je me sens un petit peu plus léger. Malgré tout, je suis quand même encore assez bien important, là. Malgré tout ça, là. Ça n'a pas réussi à passer à travers de la personne encore. Mais ça a été une période quand même assez difficile, parce que ça a été, comment je dirais, de part et d'autre. Les résultats étaient chauds, il faut l'admettre, mais aussi tout le débat entourant la bibliothèque, ça attire de l'énergie, je dois vous dire qu'au niveau de l'énergie, oui, ça tire de l'énergie, puis souvent, comme municipalité, ben, on est obligé de faire du rattrapage, puis lorsqu'on veut donner l'heure juste, souvent on est considéré comme quelqu'un qui essaie de donner des chiffres pour cacher d'autres choses, bon, ça devient très difficile. Puis des fois, je dois vous dire qu'à lire les différents blogs, là, c'était pas très édifiant, c'était pas très stimulant. Ce qui revient tout le temps, c'est la fameuse histoire. Ah ben, ils vont augmenter les taxes. Non, mais nous, quand on dit non, il y aura pas les taxes n'augmenteront pas dues à la bibliothèque. Là. On a un terrain de soccer, on a une piscine, on a un aréna. On a des augmentations normales. Puis qu'on travaille régulièrement. Puis cette année, on a annoncé en bas de 1% d'augmentation de taxes. Je pense que regardez des villes au Québec. Non, c'est souvent 2 et quasiment 3. C'est souvent 2 et plus. Ouais. Je regardais Ville-Saint-Georges, c'était 2,5 qu'ils prévoyaient. Ouais. Ça veut dire peut-être 2,8, ça, ouais. Quand on dit 2,5 au discours. Nous, on dit 1, on dit oui, ça ne dépassera pas 1, puis je peux assurer que c'est ça la réalité. Là, le projet de bibliothèque, quelles sont les prochaines étapes maintenant? Là, on va vers le règlement d'emprunt, ça va se faire quand? Oui, les dépôts officiels des résultats vont être déposés à l'Assemblée publique du 10 décembre, en même temps que l'Assemblée du budget. Et après, on va faire l'achat du presbytère, parce qu'on s'est engagé à l'acheter. De toute façon, on aurait eu des coûts. Vous voyez qu'on avait commencé à utiliser le terrain. Et en plus, ben après, on va aller en appel d'offres pour les professionnels. C'est la première chose à faire. Mais à court terme, à très, très court terme, c'est de demander à la population de se rassembler puis de se serrer les coudes. Là, la population s'est prononcée, la démocratie a parlé. Après que la démocratie a parlé, c'est ce que les gens voulaient. On a fait le processus, mais demain matin, c'est Montmagny, puis il faut travailler ensemble pour développer ce milieu-là, puis continuer de le faire progresser. Et on n'a pas les moyens de se diviser. Ça fait que moi, tout ce que je demande à la population, mais maintenant, serrons-nous les coudes, bâtissons la bibliothèque à l'image qu'on veut y donner, puis dans 5 ans, on sera tous très heureux d'y participer, puis de l'utiliser de façon adéquate. Référendum, hier, il y a des gens qui parlaient un petit peu du taux de participation. C'est quoi les élections municipales habituellement à Montmagny? Ça tourne à 50-55? Ouais, moi, honnêtement, la dernière était en 2005. Ouais. Je sais le pourcentage avec lequel j'ai eu le pourcentage du vote. Mais je pense que c'était pas loin des 70%. Ah. Je pense, mais okay. Félix Michaud serait plus en mesure de répondre à cette question-là. Les résultats, au niveau des référendums, on n'a pas de statistiques à Montmagny, okay. Parce que le dernier était en 66. Et c'était pas le même processus. Non. Il y avait deux façons de voter, par la valeur et par le nombre. Quand on regarde ailleurs au Québec, habituellement, les référendums municipaux, ça tourne autour de 30-35%. Et même les élections municipales, bien souvent, c'est 50-60. Les élections municipales, quand on veut avoir un taux élevé, il faut qu'il y ait réellement un grand défi à la mairie. En 2005, on était 4 candidats à la mairie. Je pense que là, ça stimule plus le milieu. Mais si des fois, 2 candidats, puis les gens disent... Ils ont déjà leur idée de faire. Ouais, leur idée est faite. Disons que le taux, il est un... souvent, les gens vont dire, l'autre va aller voter. Ça va faire le travail, mais des fois, ça fait pas toujours le travail. En tout cas, hier, si y a des gens qui sont pas satisfaits de la réponse puis qui ont pas voté, ben vous avez qu'à vous en prendre à vous-même. Là. C'est important de participer. Oui, mais je me dis, quand on fait un sondage dans une municipalité puis on appelle 1000 personnes, on dit que c'est un sondage très, très fiable. Là, si on regarde le nombre qu'ils ont, moi, je calcule que ce serait la même répartition. Mais au lieu d'avoir avec plus de personnes, avec plus de personnes, mais la répartition serait la même. Je pense que la réponse qui a été donnée, c'est la réponse qu'on aurait eue même à 70%. Même plus qu'il y avait de voteurs, plus qu'on sentait que l'option du oui prenait de l'avance. Donc, c'est très représentatif. En passant, je dois remercier
honnêtement, tous les bénévoles qui ont travaillé au comité du oui, on était 30 ou 35, des fois 40. Ces gens-là n'étaient pas rémunérés, là. Ils travaillaient bénévolement parce qu'ils croyaient au projet. Ça fait que je remercie ces gens-là parce que sans eux, ça aurait été une période encore deux fois plus difficile ou trois fois plus difficile à passer parce qu'on se sent un peu seul, puis on se sent un peu... Je disais hier soir à la blague, je sais qu'est-ce que peuvent ressentir les gens quand ils ont de l'intimidation quand ils vont à l'école. Je pense que c'est pas juste à l'école que ça existe dans d'autres milieux. Puis je me sentais réellement comme un jeune étudiant qui subissait un peu d'intimidation. J'ai trouvé ça un peu difficile personnellement, mais on croyait, nous, le conseil municipal, au projet. On croyait que c'était le projet nécessaire à l'heure actuelle pour ramener Montmagny, puis une infrastructure de développement. Puis moi, on est dans l'ère du savoir, là. Il faut y avoir accès, puis il faut permettre aux jeunes enfants de pouvoir se faire une idée sur le futur. Puis des fois, il y a beaucoup de choses qui se décident entre 0 et 5 ans. Hein. S'il y a des gens qui veulent encore vous poser des questions sur la bibliothèque, je présume que du côté de la ville de Montmagny, vous allez être ouvert aux gens qui vont aller voir et qui vont avoir des questions à poser. Oui, puis là, les permanents vont pouvoir répondre maintenant parce qu'eux, ils ont travaillé quand même un an et demi, deux ans sur ce projet-là, puis ça fait 6 ans qu'on travaille. Qu'on a annoncé que ça serait au centre-ville, là. C'est pas nouveau, là. C'est en 2006, on a dit que la bibliothèque serait localisée au centre-ville. La localisation exacte n'était pas déterminée. Il est arrivé une occasion d'affaires pour l'hôtel de ville. On a sauté dessus. On a été subventionné à 1,3 pour des travaux de 1,8. Je pense qu'on a fait un bon travail, oui. Et ensuite de ça, on voulait faire la bibliothèque au début dans la caisse populaire. Mais si vous savez comment c'est construit comme un édifice à bureau au centre, deux voûtes. Ça se démange pas bien. Non, ça se démange pas. Puis la voûte au centre, là, les murs ont trois pieds de béton, trois pieds d'épais, très, très, très structurés. Donc, c'était impossible de faire à l'intérieur parce que c'était construit pour être des bureaux. On ne peut pas enlever les murs de soutien. La structure ne le permettait pas. Aujourd'hui, ben, le presbytère, la structure a été validée, a été vérifiée. Le sol a été vérifié, donc on est en mesure de dire oui, on peut le faire. Puis la qualité de la bâtisse a été analysée aussi. Ça fait qu'on pense être capable de réaliser. On pense, puis on est certain de réaliser le projet dans les coûts qui sont annoncés. Et là, bon, vous disiez dans les prochaines étapes, il faut acheter le presbytère, il faut devoir aménager le terrain. Tout ça, ça peut nous amener à l'inauguration d'une bibliothèque quand, précisément? Ben, nous, on aurait espéré l'automne 2013, puis c'est pas une décision électorale, c'est que ça s'est déroulé comme ça dans le processus. On a fait d'autres choses avant de faire la bibliothèque qui était prioritairement plus urgent par rapport à des subventions potentielles qui existent plus aujourd'hui. Ah, c'est ça, il faut fonctionner aussi avec les agendas provinciales. À mon avis, ça va aller à l'automne 2014. Oui. Ça fait que ça ne soit pas une décision électorale. Puis bon. Moi, ça ne me dérange absolument pas. On a décidé de changer l'hôtel de ville l'année des élections. Puis c'était satisfaisant pour les citoyens, le mouvement qu'on faisait. Donc, c'est ça qui a eu priorité et non pas la période électorale. Je pense qu'on ne fait pas nécessairement de la politique pour se glorifier. On fait de la politique pour faire développer notre milieu. Je pense que c'est toujours l'option qu'on a eue. S'il y a encore des gens qui ne sont pas satisfaits, ben, il y aura toujours le moyen de s'exprimer dans des élections municipales. Oui, c'est une période électorale l'année prochaine. Puis s'ils ont des choses à offrir, puis un programme qui est supérieur à ceux des autres, bravo pour la ville de Montmagny. Puis qui se présente. Qui se présente, tout simplement. Je pense que la période... Il ne faut pas commencer deux ans avant, hein, parce qu'il faut tenir le tempo pendant deux ans, c'est assez compliqué. Ça peut être essoufflant. Ça peut être essoufflant. Moi, je sais que dans une ville comme nous, on ne peut pas tenir ça deux ans. D'abord, on n'a pas les ressources financières pour faire ça pendant deux ans. Donc, puis avec la nouvelle façon de financer le politique, à coût de 100 $, il va falloir faire pas mal de quêtes le dimanche pour pouvoir y arriver. Ça va être un petit peu plus compliqué que ça l'était auparavant. Un peu plus compliqué. Oui, dans notre milieu, je pense pas que... faut évacuer de notre discours la collusion puis ces histoires-là, là. On n'est pas là du tout. C'est pas une ville d'importance, mais c'est sûr que quand on arrive dans une ville de plusieurs millions d'habitants comme Montréal, il peut se passer des affaires sans que les échos du quartier se fassent entendre. Mais dans une ville comme Montmagny, c'est extrêmement difficile. Monsieur le maire, tout le monde va voir à quel restaurant vous êtes allé manger, qui vous avez mangé, qu'est-ce que vous avez fait. Il faudrait que vous ayez vous cacher une couple de kilomètres. Oui. Puis ça, c'est l'histoire qu'on a des offres d'enveloppe à tous les deux jours. Là. C'est pas vrai du tout. Même des fois, on se pénalise plutôt de gagner plus. Ça fait que c'est pas la raison n'est pas là du tout. La raison est...
à prime abord, c'est pas à mon âge qu'on commence à modifier sa personne, tu sais, pour pouvoir en gagner plus. Je pense non. J'avais ce qu'il fallait pour vivre décemment avant d'accéder à la ville. Puis tout ce qu'on a un petit peu en surplus, c'est simplement un petit surplus parce que ça ne paie pas pour le travail qu'on exécute. Moi, je peux assurer les citoyens que je travaille 60 heures par semaine au niveau provincial, au niveau régional, puis au niveau local. Donc, je fais connaître la ville de Montmagny autant à l'extérieur, parce que ça fait partie de mon travail. Oui. Puis je pense que avec tout ce qu'on a, on a 3 congrès de cédulés d'ici le printemps 2014. Mais je pense que ça, c'est dû à du démarchage. D'ailleurs, c'est toujours un problème qui est soulevé, je dirais, par l'ensemble, souvent, des maires des municipalités de moins de 50 000 habitants. C'est que, bien souvent, il faut qu'ils fassent le job à temps plein, mais ils n'ont pas nécessairement un salaire de maire à temps plein. Non, exactement. Moi, je peux considérer que quand je travaillais officiellement pour mon entreprise, je considérais que je débordais la plage horaire nécessaire pour laquelle j'étais payé, mais aujourd'hui, c'est nettement supérieur à ça. Merci, M. le maire. Puis on est évalué tous les jours, hein? C'est encore pire. Hein? Habituellement, mon employeur m'évaluait une fois par année. Maintenant, c'est tous les jours. Oui, oui, je remercie la population de savoir prononcer. Puis, serrons-nous les coudes, allons de l'avant. Montmagny, c'est important de le développer puis de permettre à tout le monde d'y vivre richement si on peut.